Kenza, Loft Story, séparée de Jean-Michel Maire, elle n'est pas tendre avec son ex. Personnalité emblématique de Loft Story présente dans l'émission que sont devenues les stars des années 2000. Avait monté un plan avec Aziz pour tricher et remporter le jeu. Interrogée par Télé Loisirs dans l'interview Sans Filtre en 2017, la jeune femme née en Irak avait dévoilé les dessous de son histoire d'amour née en 2009 avec celui qui travaillait à l'époque comme grand reporter pour Le Figaro. On est resté 6 mois ensemble à peu près, ce n'est pas rien. On s'aimait beaucoup. Comme beaucoup de couples, à un moment donné, on n'a pas pris la même direction. Après, il a fait de la télé, son visage a été connu du jour au lendemain donc forcément, son entourage a changé, son aura et sa personnalité ont aussi changé. Si est-il un homme public, ça apporte un nouvel environnement, de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes. A-t-elle révélé ? Chroniqueur sur TPMP depuis le 1er avril 2010. Jean-Michel Maire amuse toujours son ex qui pense qu'il joue très bien son rôle et qu'il était très intelligent sur le petit écran. Plus du tout amoureuse de l'ancien journaliste, Kenza a également ajouté qu'elle le trouvait parfois un peu pâteau sur C8. Ce n'était pas un grand romantique, mais il n'était pas lourdingue comme il l'est parfois dans l'émission. Des fois, je le trouve un peu lourd, a-t-elle expliqué. Depuis leur séparation, Kenza et Jean-Michel Maire ne sont pas devenus amis et n'ont plus aucun contact. Un ghosting intempestif de la part de l'acolyte de Cyril Hanouna? Pas du tout. Kenza est tout à fait à l'aise avec le fait de ne plus parler à Jean-Michel. Je ne suis plus du tout son genre, tu sais. Et quand si est-il terminé, je ne ressors pas avec mes ex en général. A-t-elle indiqué à propos de celui qui a affirmé avoir eu 1042 conquêtes au cours de sa vie en 2018 ?